aujourd'hui là et pays, les États-Unis qui t'a passé de la parole aux actes et pour ne pas dire, ministre Justice et Sécurité publique là, Bertho Dosé, vis-à-vis État annulé et pour ne pas dire les États-Unis t'a cancellé vis-à-vis ministre Justice et Sécurité publique là, et bien Bertho Dosé qui t'a gagné et pour rentrer dans le pays les États-Unis pour journée jeudi 27 octobre 2022 arrivé dans l'aéroport international Toussaint et l'ouverture et toute bagaille ça est en fait dans moment ministre et justice lui-même l'État est remis sous contrôle américain et c'est le ça il a pas annoncé lui pour ne pas dire il a avisé lui que visa l'État annulé par autorité dans le pays États-Unis n'a pas de tout dans jour qui sont passés à travers résolution ça et qui t'apprend bon côté et pays et les États-Unis et pays et Mexique avec un pilote et pays voisins yon façon et pour capable empêcher rentrer la caillou et tout et monde qui t'a dans tête langue avec bandit soit monde qui servi bandit en tête ou du moins ça monde et cap financer yo en matériel ou bien et bayo il gros l'argent jodi là nous et visa et Bertho Dosé et lui-même qui t'a annulé pour ne pas dire quand est célèbre est-ce que dans jour et qui se passe le sous-secrétaire d'État américain pour qu'on ait les autorités dans le pays et les États-Unis est déjà bloqué visa environ 11 personnes et pas bon ici et gain 2 personnes et pour ne pas dire qui est constitué et cabinet et ministériel de facto cap mené par le premier ministre Ariel Henry avec plusieurs autres dans la société civile et ils ont allé plus loin tout pour faire connaître que les États-Unis ont déjà annoncé que Mounsao était déjà au courant et que visa est cancellé et à partir de ça qui arrive et je dis est-ce que nous pas et pas dit que autorité dans le pays et les États-Unis ont continué bah nous mentir ont continué rouler nous et dans farine nous connaît yo pas de et divulguer et non moun sa yo et yon façon et pour être capable de protéger yo et pas pour ici yo connaît population haïtienne et jodi là phénomène insécurité et c'est une dans et plus gros pion c'est une et dans plus gros et cause qui t'a poussé population et prend la rue et manifester et chaque jour nous kidnapping là cap et grimper en dans et pays et nous ouais monde qui va suspendre tomber en bas et coup d'armes et bandits qui t'a armé par yon série sénateur par yon série anciens et députés ainsi que anciens et ministres non et administration et publique je dis à la et ça que n'a dit si toutefois moun ça a été déjà informé si toutefois et moun ça a été déjà en état et d'alerte nous pensons Bertho Dosé par rapport à l'humiliation ça dans l'aéroport international tout c'est l'ouverture et dans le moment l'État pas participer et dans une rencontre dans le pays et blanc américain et arrivé dans l'aéroport international et tout c'est l'ouverture là l'humilié et c'est le ça libéral connaît que les États-Unis t'a révoqué ou du moins ça annulé visa et qui capable et permettre de rentrer et la caillou. Et nous rappelons également, mesdames et messieurs, ça n'a pas fait trop longtemps, nous t'ai parlé de ça, hein? Et nous t'ai insisté sur ça, et nous t'ai même tendu beaucoup de l'ambassade américaine, côté qui ont demandé pour retirer Bertho Dosé comme ministre de la Justice. Nous tous nous rappelons nos familles dossier ça, et cargaison d'armes, nous t'ai parlé justement dossier l'église épiscopale, et nous t'ai dit que justement, cargaison d'armes et munitions, c'était pour les gens qui sont dans le gouvernement. Nous tous nous rappelons, nous parlons des ministres Bertho Dosé, ou parler directement de Dimitri Vob, parce que monsieur, c'est même équipe que Dimitri Vob là. Eh bien, nous tous nous rappelons nos dossiers ça. Eh bien, je dis là, eh bien, ça qui passe là, je pense que c'est pas une surprise. C'est pas une surprise liée, mais simplement, son façon de plus pour nous prouver, pour nous dire que justement, gouvernement ça, eh bien, son gouvernement le plus tôt possible, immédiatement, nous devons déjà débarrasser nous de lui parce que déjà que à travers le monde, nous voyons presque pas respecté nous, eh bien avec le gouvernement, ça c'est 50 fois plus mal. C'est 10 000 fois plus mal, mesdames et messieurs. Gouvernement Ariel Henry, ça, j'en ai dit, peuple haïtien pas mérité ça. Nous pas mérité ça, mesdames et messieurs, pour apprendre que nous soit disons ministre de justice, non cité nos équipes vieux bagaille, non premier ministre cité nos équipes vieux bagaille. Ou arriver devant un aéroport, ou pral partir, malette ou nan dos, avec toute équipe et tant que soi-disant un monde qui représente tout ton pays, pour voir que c'est vous-même encore qui a retourné, toute équipe obligée à faire bac à cause que vous cancelez les visas. Ça fait l'aide. Et puis, l'aide n'a pas parlé de ça. Ce n'est pas simplement une humiliation liée pour lui, non. Ils sont une humiliation pour nous également. Parce que nous toujours disons nous-mêmes, ça donne nous plus force pour nous bataille, pour nous dire, genre de bêtes ça, genre de bêtes sauvages ça, genre de... Ah, nous ne pas dire moi, mais nous ne pas de gagner encore dans le pays, mesdames et messieurs. Nous ne pas de gagner genre de monde ça, et dans figure nous encore. Jean a dit que mais ça a été fait avec le Parlement, et bien c'est même ça a fait avec le pays d'Haïti là. Il a passé nous non. L'essentiel, faut que nous continuions à camper pour nous retirer de ça dans figure nous. Mais quand même nous capables commencer à dire en quelque sorte Jojo commence à bien justice les frères. La bien justice sous toute forme parce que ça sont forme de justice liée indirectement. Oui Anderson. Oui, et Jimmy et pour avancer et sous en ça et non poser assassinat et président et Jovenel Moïse et Jodel là nous et tout le monde ça yo cap joindre et monipiation après et un exemple pour Joseph et Félix Badoua qui c'est un deuxième éviter l'homme en dans pays via avec une menace et la paix et deal qui t'a fait ensemble avec qui pas respecté Jodel là et nous capable dire et avec annulation avec humiliation Bertho Dosé est à prendre un aéroport international à Toussaint, l'ouverture est toute à rentrer et dans le cadre justice en raison et de qui ça, qui fait nous parler et de la sorte, le nous connaît et Bertho Dosé, c'est avocat, compagnie et sous-génère, c'est une qui est campé en face et président et Jovenel Moïse, dans le moment, président Jovenel Moïse est à bataille, une façon et pour finir avec causer corruption en le pays. Une façon pour exiger une série nègre qui dans le secteur privé affaire là qui est gros franchise dans mayo pour yo taper et la droite et pour capable augmenter et trésor et public et comme ça tout président Jovenel Moïse c'est un nègre et on monde et qui tape bataille contre et dit le droit en pays nous elle était commencé liquider il était commencé et livrer une façon pour causer ça suspendre en pays même nègre qui fait et commerce d'âme en pays et bien Bertho Dosé un nègre qui a accusation pour nous dire qui prend prison et déjà pour causer drogue et n'a pas appelé nous tout dans le mois de décembre qui sont passés à écouter nous te prenons et soufflet massa dans mais international le est considéré et pays d'Haïti comme un véritable ébastion et côté et deal cocaïne est fait comme un véritable repère et de dealer et drogue et malgré ça nous un pas de fait Bertho Dosé comme étant un grand monde sans nous-mêmes question toujours à poser est-ce que monsieur ça ou pas madame a petite et captain de yo est-ce que leur saute la caillou yo dit madame a petite yo al travail même nous saute là tout à Jimmy humiliation ça et qui prend li pas seulement et pour Bertho Dosé li pour toute la nation haïtienne même le nous connaît jodia là c'est pas population haïtienne avec monde ça c'est même impérialiste qui utiliser monde ça et pour craser pays utiliser et moun sa yo dans intérêt yo qui pas suspendre humilier nous et plusieurs là ça déjà humilié le nous va regarder on est ancien et commissaire police et Guy Philippe qui t'a travaillé et pour les États-Unis en 2004 nous te ouais qui ça moucher ça te fait un pays regardez comment les pays et blanc américain t'a humilié pour pas dire pays impérialiste yo mettre tête ensemble pour humilier Guy Philippe et jodi là Bertho Dosé qui est nous connaît qui changer orthographe et non li tout de suite après elle était fini et joint libération après tant incarcération et elle était prend pour causer exil drogue dans pays et n'a pas nous tout dans dossier l'église épiscopale là gen moun bon côté et Bertho Dosé jusqu'à maintenant qui était bao et un pas dit et gen information et qui fait quoi tout que Bertho que gen une bonne disposition et qui prend bon côté et gouvernement et de facto contre Bertho Dosé nous fait plusieurs jours nous pas attendre et nous connaissons bon information de bonne source que M. pas jamais pied dans le ministère et de la justice un petit temps après nous et Bertho Dosé qui retourne et faire surface qui retourne après Gogol à parler dans nos haïtiens et société haïtienne l'on a regardé un individu et comme ça un criminel comme ça un assassin et comme ça pour essayer lui-même et qui choisit comme étant un monde qui a rendu justice pendant et peut-être ils sont injustes pendant peut-être ils sont monde qui t'a des barreaux et Bertho Dosé tout dans cause assassinat président Jovenel Moïse li gen question et pour ta rendre par devant et la justice le nous connaît et Bertho Dosé travaille avec Dimitri Vob. Et nous ne pas plonger nous bien long, on dit que Dimitri Vob, il était dans l'assassinat président Jovenel Moïse, mais seulement, n'a toujours dit, monsieur Sao qui était jugé président Jovenel Moïse comme étant arrogant, monsieur Sao nous connaît qui a financé le mouvement dans la rue et qui a fait un secteur démocratique, par un petit dessaline, ainsi que Marquis et Libération, ils n'ont pas été trempés dans l'assassinat. Et nous, depuis, après ça, l'assassinat, et bien que Dimitri Vob lui-même, il était déjà. Et prend et ça nous capable et pour de escampette là et Réginald Boulos et c'est même genre alors et Jodia là nous capable de dire oui et quelque part c'est une victoire liée pour nous même capable de justice et pour président Jovenel Moïse c'est une honte liée pour nous de l'autre côté mais comme ça tout il doit servir nous comme étant gaz il doit servir nous comme étant l'huile dans chaudière et mobilisation pour nous dire avec les États-Unis on laisse ça on le mettre là sanguinaire ça on le mettre là nous bouquer ensemble avec eux nous bouquer humiliés à cause de même nèg ça les choisir et une baille population haïtienne nous pensons qu'ils ont l'autre fois encore même dans nos désirés soir après sorti Joseph Félix Badoua et puis humiliation et ministre et justice et sécurité publique Bertho Dosé mobilisation doit continuer parce que c'est les États-Unis qui battent monde ça c'est lui même qui a humilié monde ça pour ne pas dire qui a humilié toute population haïtienne.